morning, this is shipping for sending your Raja Laut. Sending your Raja Laut, you read me, over. This is shipping, go ahead, please. Yes, good morning, sir. We are in approach of the channel, and we would like to know where is our berth. I repeat, where is our berth, over. You may proceed direct to the breakwater and stay there. We will arrange enable clearances, over. Okay, we proceed to the breakwater. We are at 2 miles from the entrance of the channel. I repeat, we are at 2 miles of the entrance of the channel. So ETA would be about 20 minutes. I repeat, 20 minutes at the breakwater. Over. Alors, nous sommes actuellement à Galle, au sud-ouest du Sri Lanka. Le bateau a été loué il y a quelques semaines pour tourner un film sur la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire en fait de soldats allemands qui se retrouvent embarqués sur un bateau épave pour essayer de rejoindre l'Allemagne. Après notre arrivée à Galle, notre temps a été divisé en deux parties. La première partie a consisté à maquiller entièrement le bateau. Le bateau a été entièrement peint. Les voiles ont été changées, peintes. Il y a eu un énorme travail en amont. La transformation du bateau qu'ils ont réussi à effectuer en quelques jours était vraiment impressionnante. On parle d'une véritable transformation. Nous sommes passés d'un voilier qui fait du charter de luxe dans tout le sud-est asiatique à une épave datant de la Première Guerre mondiale. Et une fois que ceci a été terminé, il y a eu la vraie partie qui concerne le cinéma qui s'est mis en route. Nous avons donc accueilli la caméra à bord, nous avons accueilli le réalisateur, on avait énormément de figurants qui étaient là, qui comprenaient beaucoup de personnes. On a eu l'avantage d'être sur Raja Laut, qui est très très large, qui est un bateau très stable, qui fait qu'ils ont pu faire un shooting à bord du bateau, je pense assez confortable. On a organisé chaque jour du tournage de façon très précise. On s'est entendu sur le fait qu'on allait donner des conseils nautiques. Il fallait faire vachement attention à l'angle qu'il avait par rapport au soleil, une prise pouvant durer plusieurs heures. Le réalisateur a pu faire toutes les prises qu'il voulait, ce qui nous a permis de terminer parfaitement dans les temps. Alors les acteurs ont beaucoup aimé l'expérience sous voile. Il y a eu une grande coopération du crew de Raja Laut. C'était vraiment une très très belle expérience, ce tournage. Alors on est tous impatients de pouvoir voir le film qui normalement sortira à Berlin courant 2012.